وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Quand Allah tabaraka wa ta'ala parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, ce discours qui est dirigé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est de trois catégories différentes. La première catégorie, c'est les paroles qui sont dirigées vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam spécifiquement, que pour lui, et pour nul autre que lui, alayhi salatu wa sallam. La deuxième catégorie, c'est le discours qui est dirigé pour tous les gens. La troisième catégorie, c'est le discours qui est dirigé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam en premier lieu, mais le statut juridique, il est général pour tout le monde. Comment on reconnaît ces trois catégories-là? La première catégorie, on la reconnaît quand il y a une preuve que ce discours-là, ou ce texte, ou cet ordre, ou cette injonction, il y a une preuve qu'elle est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car la base, c'est que ce qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran, en général, c'est que c'est pour tout le monde. Car le Coran est un message pour l'humanité. Donc il faut une preuve. S'il y a une preuve qui vient déterminer que ce discours est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors nous dirons que ce verset, il est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le discours et dans le statut juridique. Donc si il y a une preuve de cela, on dit que ce discours est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lafdan wa hukman. L'exemple de la première catégorie, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ne t'avons-nous pas ouvert la poitrine et déchargé de tes péchés, de ton poids. On voit ici que Allah tabaraka wa ta'ala parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam et que c'est spécifique à lui. Car Allah ta'ala lui a pardonné ses péchés passés et futurs. Et il lui a ouvert la poitrine à la guider et à la révélation. Donc ici c'est spécifique au prophète alayhi salat wa salam. De même, et on t'a envoyé comme messager pour les hommes. Ici on sait très bien que c'est spécifique au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. L'exemple du deuxième cas ou de la deuxième catégorie, la parole qui est dirigée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il est voulu en cela la généralité des gens. C'est quand Allah tabaraka wa ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sourate At-Talaq, dans le premier verset, Ya ayyuhan nabiyyu, ô toi prophète, si vous divorcez les femmes, alors divorcez-les pendant leur période de pureté. Ici, le premier qui est concerné par Al-Khitab, le discours, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car Allah ta'ala dit, Ya ayyuhan nabiyyu, ô toi prophète. Mais après, on voit que toute la communauté est visée même dans le discours, et pas seulement dans le statut juridique. Car Allah tabaraka wa ta'ala dit, si vous divorcez les femmes. Il n'a pas dit si tu divorces. Il n'a pas dit, ô toi prophète, quand tu divorces une femme, fais comme ça. Il a dit, ô toi prophète, quand vous divorcez les femmes, c'est-à-dire vous tous les musulmans. Donc ici, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vise le prophète sallallahu alayhi wa sallam et vise aussi la communauté entière, que ce soit dans le discours ou dans le statut juridique. La troisième catégorie, c'est la catégorie où dans le discours, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est visé, mais dans le statut juridique, ça englobe tout le monde et ça, il y en a beaucoup dans le Coran al-Karim. Où Allah tabaraka wa ta'ala parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou utilise le pronom personnel singulier. Mais il ne veut pas par cela que ce soit spécifique au prophète alayhi salatu wa sallam. L'exemple de cela, c'est ce verset. Sabbih isma rabbika al-a'la. Exalte le nom de ton Seigneur, le Très-Haut. Ce discours, il est donné à qui quand il dit exalte? Vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce que le statut ou l'ordre, il est dirigé que vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Et à sa communauté derrière lui. Donc voilà, dans le Coran, les trois catégories de discours quand ils sont dirigés vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam.